Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo dédiée encore une fois au Petit Lenormand. Aujourd'hui, nous allons parler de deux cartes qui semblent poser pas mal de problèmes pour les personnes débutantes du Petit Lenormand. Et ces deux cartes sont le cœur et l'anneau. Je pense qu'il y a une confusion entre ces deux cartes parce que pour les novices, ces cartes veulent dire la même chose parce qu'une bague, c'est quand on se marie ou quand on se fiance, et le cœur, c'est quand on est amoureux. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre les deux cartes. Nous allons commencer par le cœur. Le cœur, c'est une carte de sentiment, une carte d'amour, une carte de romance. Quand vous avez le cœur dans votre tirage, vous savez que vous êtes aimé ou vous êtes amoureux. L'anneau, c'est une carte de partenariat, de fusion, d'union, mais pas toujours une union matrimoniale. Elle peut aussi symboliser une signature, un contrat ou un accord. Dans un tirage affectif, l'anneau peut représenter le couple s'il est déjà marié. Et si ce n'est pas le cas, ça peut vous annoncer que les choses vont être sérieuses pour vous, car l'anneau a le pouvoir d'officialiser les choses qui ne le sont pas. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a apporté beaucoup plus de clarté et de compréhension sur ces deux cartes qui semblent un peu difficiles à comprendre. Je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis, avec ceux que vous pensez qui sont comme moi, passionnés par l'oracle du Petit Lenormand. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo.